Salut les gars, c'est le cinquième stream, j'enchaîne comme ça. Je viens de lancer. Je sais même plus ce que je viens de lancer. Ah si, c'est écrit sur le livre. Moss! Moss. Moss, comme notre Moss de cette série de geeks si extraordinaire. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé la vignette du jeu assez jolie. Donc on va regarder tout de suite la gueule que ça. Est-ce que c'est si c'est un point and click ou oh le cœur de la nef ou autre chose. Allons-y les enfants. Luc. Luc. Passe-moi la ventoline. D'accord, il y a du sur la manette. Va falloir bouger ses petites mimines. Donc, j'en étais à. Sérieux, Luc, passe-moi la ventoline. Hey, tout air de déjà vu, déjà vu. Oh, c'est joli. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Gâchette pour. Ah oui. Allez, deux. Alors, je peux mettre mon doigt dessus pour suivre. Tourner les pages. Moss. Qui va donc nous dire qu'il y a le feu. Fire. Fire. There's fire in the office. I'm going to send an email. Oh putain, comme j'ai pas pris mes lunettes de soleil. Alors, de mouvement, je n'ai pas. Je suis un petit tristoun. Si ça c'est pas inspiré Gilblee, mon nom n'est plus Monsieur K. Ouais, mais je peux pas me déplacer, dude. Ah, mais en fait, c'est lui que je déplace, bordel de schnitz. Ok. Non, mais les vieux, faut leur expliquer, hein, parce que sinon, ils pigent pas tout seuls. Nous allons donc suivre des aventures, et non pas les vivre. Oh, connerie. Allez, Lara Croft, fais nourrir. Parce qu'en fait, c'est ce qu'aurait dû être Lara Croft. Le projet original de Tomb Raider, c'est ce jeu en fait. Vous avez vu ça, si je dis bien en plus, Tom Brawler. Avec ce petit homme de Montpellier. Salutations à toi, Montpellier, ville de l'amour. Là 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 là.
Alors, y a rien qui se manipule là. Ici, là-haut, mais faut que tu sois en face, fils. Je veux pas dire, mais tu sers un peu à rien, quoi. T'as vu comme t'es foutu? Moi, je peux bouger ça. Voilà, parce que j'ai la puissance toute puissante. Et voilà. Vas-y, gamin. Non, reviens, c'était pour rien. Ah, peut-être que ma puissance est pas suffisante. Bouge pas, je t'aide. Voilà. Alors là, c'est bête qu'il n'y ait pas les retours vidéo. Parce que du coup, je suis en train de gesticuler sur ma chaise de bureau. Et c'est assez rigolo. Enfin, j'imagine, je sais pas, je ne me vois pas de l'extérieur. Je n'ai pas encore fait d'expérience hors de mon corps. Alors là, on voit qu'il y a des amis, une dalle sensible. Je me vois toujours dedans. Non, même pas, c'est nul. Et qu'il va falloir trouver une solution, cher ami. Allez, va sur la dalle. C'est rigolo à observer de dessus les combats. Ça donne envie d'un petit Diablo comme ça. Y a pas une roulade? Non. La roulade, il n'y aura pas. Tadam! J'ai bon. Alors c'est sympa quand même de pouvoir manipuler les objets réellement avec le pad sur ce coup-là. Ça donne un petit côté plus, bien agréable. Bouge pas, je vais t'aider, on va y arriver. Ah, tu devrais être pas mal, mon pote. Oh yes. Continue sans moi, je te rejoins plus tard. Alors ce jeu, il a pour lui par contre d'être très joli, hein, déjà. Là, on peut voir que quand même sur l'ambiançage, comme on dit, on se fout pas de notre gueule, c'est mignon, même si ça va pas taquiner du révolutionnaire. Et les persos, comme ils sont choisis, je pense que pour les gnomes, c'est assez génial. Alors. Non. Je veux la dague. Oh, depuis le temps que je rêvais de le faire en vrai. Je suis désolé, les amis. Ça, c'est mon fantasme Golden Shade. Parce que pour moi, quand même, ce film est une institution. Eddie Murphy dans ce film est extraordinaire. Et le méchant que vous retrouvez dans Game of Thrones, dont j'ai complètement pété le nom. Il est juste génial, mousse pipi, quoi. Ah, vous m'autorisez? Je peux. Il faut que je me fasse un petit moment jeu. Attends. Je veux la dague, s'il vous plaît. Alors, le truc à savoir avec les moulins à prière, c'est qu'il faut toujours les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Sinon, là, vous tournez dans l'autre sens comme ça. Vous déclenchez l'apocalypse directement. Ça, faut jamais le faire. Donc je vous le ferai pas voir. J'ai un truc qui me rentre dedans. Bon, enfin, on voit qu'il y a à l'intérieur un petit truc. Donc l'idée, ça va être de monter tout là-haut. Et mon ami rongeur. Oh putain, mon instant Eddie Murphy en streaming. J'aurais jamais cru que je pourrais le faire. Si vous saviez comme je suis heureux. Voilà. Les gaffe, il y a mon chat qui est pas loin. C'était bien ça. Tais-toi, le tôle nerveux, là. Ah oui, je suis tristesse. Vu que tout ce bordel se referme.
Alors, quelle est l'astuce que j'ai pas vue? Dis-moi, toi. Y a un truc, là? Non, y a pas de truc. Point le temps tuna. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut ramasser? Oui, tout là-haut. Mais... Moi, je voulais ramasser. Ah, ça a pris. Je peux pas, c'est hors de mon champ. Ah, c'est con, parce que ça a l'air quand même d'être fait pas mal pour. Hein. Toi, tu peux pas essayer de... Non. Eh oui, t'es un con de rat. Con de rat. Merde. Double merde. J'essaye. Hein. Baking Schnitzen. Ah, j'ai un bout de l'idée, mais c'est pas la bonne. C'est pas le compte. Hein. Et voilà. Dès qu'on essaie d'être sérieux, faut tout le temps qu'il y en ait un qui fasse le zozo. Ah, ah, peut-être mieux ça. Yes. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas à l'intérieur? Tu peux venir de ce côté, péter la gueule à l'autre. Admettons. C'était peut-être pas prévu comme ça, fils. Bon, faisons, hein, on verra bien après. Je crois que tu t'es fait one shot, cher ami rongeur. Donc il est fort probable que les serrures de la paix à cette petite bestiole soient le meilleur des choix. Ah, on repart de là-bas. Ok. C'est pas de caillasse qu'on peut ramasser. En tout cas, point de vue réalisation, les mômes vont adorer. C'est... Bah, le gameplay a pas l'air très très compliqué, donc ça a l'air d'être fait pour eux. Et c'est particulièrement mignon, quoi. Donc mon ami, on avait dit... Ah, tais-toi, toi, tu m'exaspères. Mets-toi là, voilà, t'es bien sage. Attends, là. L'idée, c'était... Non, je rentre pas là, en fait. Tu vas voir pourquoi. Je t'explique. Hop, maintenant tu bouges. Tu viens ici. L'outil calcule rien. Il est trop dégueu. Comment tu l'as bien vu? Hop, lui, on le tape pas parce qu'il va nous défoncer en un coup. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie d'improviser un truc où je fais croire que j'ai mûrement réfléchi, mais je fais de la merde. Bon, je vais quand même lui taper sur la gueule, je pense. Hein, qu'est-ce que vous en dites, les amaches? Quitte à me coincer tout seul dans le coin. Parce que je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire. Ceux-là, je peux pas les choper. Il me fout hors de out of range. Voilà. C'est le mieux que je peux faire. Je peux pas les attraper. Lui, je peux pas l'attraper non plus. J'ai quoi d'autre comme fonction? Non, c'est... Hop, épée, saut. Tu veux me faire one shot encore? Hop, il... Non, tu vas l'attendre. Écoute, papa. Je dirais même plus. Maintenant que l'idée me vient soudainement à l'esprit. C'est... Vu que t'as été capable d'être remplacé par un collègue, on va se servir de la fonction, hein. Donc, toi, tu viens là-bas. Voilà. Et tu restes là-bas. Toi, tu vas... Hop, 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 hop. Non, 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 tu fous le camp là-bas. Là-bas. Nom de Zeus, c'est quoi ce bordel? Pourquoi tu veux pas foutre le camp là-bas? Là, bien sage. Vous me verriez gesticuler, les bras tendus dans le salon avec ma manette. Je pense qu'il y aurait de quoi se marrer. Voilà. Donc maintenant... Y'en a pas un qui sort d'ici? Bah c'était ce que je voulais. Evie! Eh bien, pot de balle.
qu'est-ce qu'il faut pas faire. Prends-moi ça. Attends, pas fini. Alors ça, faudra que j'aille voir quand même sur le net les tests. Parce que pour les gamers, je pense pas que je le recommanderais. Mais pour la famille, il y a peut-être un petit truc sympa là. Maman, un fantôme. Où ça mis ? Non, ce n'est pas le serpent que tu crois. Non, pas du tout. Fin de la démo, au revoir. Pas mal du tout. Je sais pas quoi vous dire d'autre, vu qu'il faudrait parcourir le titre plus loin pour voir s'il use subtilement de ses mécaniques et de son interface. C'est très joli. Moi, perso, je vais aller regarder ce que les gens en disent sur le web. Pas parce que je veux l'acheter, mais savoir si je peux le recommander à certaines personnes ou pas. Apparemment, ça m'a l'air d'être fait pour toute la famille et ça a l'air d'être super agréable dans ce cadre d'utilisation. Voilà pour Moss. On va bloqué ici, je vais couper le stream tranquille, ça aurait été les 4-5 petites démos faites à l'arrache, stream improvisé de fin d'après-midi dans le pour notre part, on va se retrouver plus tard avec plusieurs choses. Alors regardez sur le Twitter, j'ai posté toute la liste des jeux qui sont en réserve que je vais probablement vous streamer, donc toute la liste de ces jeux est dispo sur le Twitter, vous parcourez le fil, ça a dû être posté ce matin. Alors, pour les gens qui regardent le replay, ne parcourez pas le fil, vous êtes peut-être en 2024, il doit y avoir 7333 messages à remonter. Mais voilà, c'était la petite info, nous on arrive sur notre fin d'année, on se fait des bisous, on va encore s'entraîner sur cette fin de stream en se faisant encore des bisous. Mouah. Moi, je vous fais des gros poutous. Faites des gros poutous autour de vous. Profitez que les gens sont dans un mood où on a envie de calme et de se retrouver entre gens confortables qui n'ont aucune animosité. Ça fait vraiment pas de mal quand on voit la gueule des 330 et quelques autres jours autour. Allez, encore un bisou et ciao. Moi, plein.